Coucou tout le monde, alors ça y est, le jour numéro 11 touche à sa fin, le numéro 11 du Tour de France. J'ai passé la journée à l'espace culturel Leclerc de Saint-Aunès, donc près de Montpellier. Une belle journée, pas mal de dédicaces, j'ai eu l'occasion de présenter pas mal de fois les livres, parfois même dans quelques larmes, c'était émouvant parfois. Donc une très très belle journée de dédicaces. Demain, Saint-Chamas, donc dernier jour. Et après, je remonte en Lorraine. Et là, je dois me dépêcher parce que je ne suis pas en avance. Ce soir, je suis logé entre Montpellier et Saint-Chamas chez une amie auteure, une amie que je n'ai encore jamais rencontrée en vrai, une amie avec qui j'ai sympathisé déjà depuis pas mal, depuis quelques années, parce qu'elle lançait son premier roman l'année où moi j'ai lancé le mien. On a lu nos livres, on a sympathisé. Je ne dis pas son nom simplement parce que je ne sais pas si elle souhaite que je révèle son nom, mais si c'est le cas, on fera sans doute un petit coucou. Et donc voilà, c'était une belle journée. Maintenant, je vais me rendre donc à son domicile parce qu'elle a proposé de me loger pour cette nuit. Donc voilà. Et pour la petite info, j'ai discuté donc avec les libraires de Leclerc à Saint-Aunès qui, a priori, ont accepté de mettre en rayon Alison et Crystal. Donc si vous êtes dans la région et que vous souhaitez les découvrir, normalement d'ici quelques temps, ils devraient être en rayon là-bas. Et comme les libraires, certaines libraires, une libraire me l'a acheté aussi également, mes deux romans, peut-être qu'elle sera vous conseiller de les lire, à voir ce qu'elle en pensera. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être nous reverrons-nous dans la soirée, je ne sais pas encore. Mes prochaines étapes, donc demain, Saint-Chamas, toute la journée, ou au moins le matin en tout cas, pour vous présenter mes deux romans à la librairie L'Art et la Plume. Donc je vous y attendrai. Voilà. Allez, à demain!